Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une revue rapide sur les produits Kiko qui m'ont été offerts par my brother. Voilà, donc il y en a trois. Enfin, il y en a pas trois. Il y a un coffret de rouge à lèvres que je n'ai pas droit à porter tant que c'est pas Noël. Donc je vais juste vous montrer les couleurs hein, puisque j'ai pas droit de swatcher. Et je vous montre le reste des produits, par contre je peux. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Il y a 5 rouges à lèvres. Donc ça c'est la collection de Noël, comme mon tricot. Donc c'est le Slipstick Set, set de rouge à lèvres ultra glossy stylo. Donc la boîte est très jolie je trouve. Donc qu'y a-t-il dedans? Donc je vous le montre à la fin. Je vais vous montrer d'abord le pinceau. Donc ça c'est un pinceau, le Dark Heroine Face Brush. Donc c'est un pinceau à double embout. Donc il m'a l'air pas mal. Donc pinceau visage duo pour une application impeccable des textures en crème ou en poudre. Donc avec des pinceaux, avec les côtés biseautés. Donc ça me fait penser un peu au pinceau Real Technique. Quoique je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas lavé. Donc vous avez la face, celle-ci, qui est plus petite. Et après vous avez la plus grosse. Donc laquelle c'est qui sert à quoi hein. Alors, l'extrémité au poil biseauté permet d'appliquer des textures crémeuses en quelques gestes simples. De l'autre côté, les poils synthétiques spéciaux de consistance douce et compacte permettent une application parfaite et rapide des blushs terre et enlumineur poudre. Donc celui-là c'est pour tout ce qui est crème et celui-là c'est tout ce qui est poudre. Ok, voilà donc le pinceau, donc il est très joli je trouve, pinceau Kiko avec blanc et marron. Donc voici le pinceau. Donc c'était une collection aussi qui était sortie, Dark Heroine. Donc j'ai mon premier pinceau de chez Kiko. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ce... Dans la même... Je sais pas où, hein. Un Velvet Stick Blush. Donc lui aussi c'était dans une collection qui était sortie. Donc moi j'ai le 04 Cadillac Pink. Donc voici comment ça se présente. Donc moi j'ai le rose, puisque pink c'est rose. Donc on dirait un stylo en fait, c'est très joli je trouve. La boîte aussi est très jolie. Ici là avec des détails. Très beau, très beau, très beau. Donc voici le blush. Donc en forme de... Donc il est très rose. Mais en vrai, ils se font bien à la peau. Donc voici le Cadillac Pink. Donc lui je peux le swatcher. Mais c'est que le set de rouge à lèvres que j'ai pas droit. Ah, bref. Donc ça sent le beurre de karité. Moi j'aime beaucoup l'odeur. Et moi j'aime beaucoup les blushs en crème. Donc cela je n'avais pas testé, donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai testé. Et ensuite donc ce fameux set de rouge à lèvres. Donc les voici, les voilà. Donc tout de blanc vêtu puisque c'est Noël. Ils les ont pas mis en noir comme les glossy stylos classiques, ceux-là ils sont en blanc. Donc on a 5 couleurs, donc je vais vous donner les couleurs. On a le 821 Pearly Natural Sand, donc ça doit être celui-ci. 821. Donc celui-là, c'est le nude. Voilà, on va pas se tromper, c'est le nude. Donc je swatche pas, hein, puisque interdiction formelle de swatcher. Ensuite, on a le 822 Pearly Calypso Rose. Donc celui-ci, qui est un rose, je trouve un peu prune. Très joli. Ça sent comme les autres. C'est glossy. Ensuite, on a le 823 Pearly Poppy Red. Donc celui-là, il doit déboîter. Ah oui. Oh oui, il est beau, c'est un rouge. Oui, oh, il est beau, c'est un rouge. J'en ai du rouge, mais c'est pas le même. Je crois que le rouge vient monter aussi ton. Enfin, l'avant-dernier, qui est le 824 Pearly Peach. Donc celui-là, c'est un pêche. Un joli corail. Voilà. Et le dernier, qui est un rose flashy. Je ne veux pas les abîmer, donc je ne les défonce pas. C'est le 825 Pearly Hot Pink. Oui, celui-là, il envoie. Voilà, il ne faut pas avoir peur de la couleur, hein. Mais comme c'est des stylos qui sont assez crémeux, la couleur est modulable. Donc d'ailleurs ils le disent.
parce que comme je ne peux pas m'en servir, je regarde ce qui est marqué. Ils disent quoi? 7 de 5 rouges à lèvres ultra glossy, stylo en édition limitée, texture fondante à la sensorialité inédite qui conjugue la brillance et l'effet mouillé d'un brillant à lèvres, au confort et à la pureté chromatique d'un rouge à lèvres. Glissant et crémeux, il habille les lèvres de légers voiles de couleur modulable, de semi-transparente en intense. Donc SPF 15. Et ce petit coffret, moi je trouve que c'est une bonne idée cadeau pour Noël. Donc si vous avez une sœur, une amie, vous, utilisez ce coffret pour l'offrir à Noël. Donc moi je suis la sœur, donc c'est moi qui l'ai eu. Mais oui, je collectionne les rouges à lèvres, vous le savez. Donc c'est un très beau coffret. Donc je sais qu'il y a d'autres coffrets de vernis. Après je sais plus quoi. Hein. Des pinceaux, oui, il y a un coffret de pinceaux qui est joli aussi. Que j'ai vu sur Facebook, n'est-ce pas Léa? Et moi j'aime beaucoup les produits Kiko et surtout les produits Kiko, j'aime bien les produits Kiko. Donc voilà pour la vidéo rapide, revue, cadeau, frère Kiko. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye, bisous, ciao ciao.